Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 201 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Harry Potter à l'école du sorcier, mais cette fois-ci sur Game Boy. On commence notre nouveau concept à partir de l'épisode 200, donc on est à 201. On va faire du jeu Game Boy Advance, on va voir du jeu Game Boy Nintendo, la première. On va essayer d'alterner sur ces trucs, Mega Drive, j'essaierai de me diversifier plus tard. Donc c'est parti pour Harry Potter à l'école des sorciers. On appuie sur Start. On va faire une nouvelle partie. On utilise une sauvegarde inutilisée parce que rien n'est inutilisé. C'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué étant petit. Donc voilà, la première lettre, cher Monsieur Potter. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté au collège Poudlard et nous atterrissons directement sur le chemin de traverse où on parle avec Hagrid. Alors c'est parce qu'il n'y a pas de deux comme ça à boutique chez Ollivander. On va se procurer notre baguette magique. Donc il me conseille de me balader en fait et de venir après le rejoindre chez Ollivander. Donc vous voyez comment le chemin de traverse est représenté. On a différents magasins pour les hiboux, les balais, on a les vestes un peu plus loin, on a tout un tas de choses. Pour l'instant on n'a pas d'ennemis, parce qu'on n'a pas notre baguette magique. On va la prendre. Bonjour Harry, voici Monsieur Ollivander, il va te fournir une baguette, tu la trouveras plus tard chez Gringotts. Donc il faudra plus tard que je le rejoigne pour aller chercher du pognon dans ma banque. Donc là, pour l'instant, il va falloir récupérer en premier lieu notre baguette magique. Voilà. Donc là, on essaye, évidemment, comme dans le film, comme dans le livre, comme partout. On essaye différentes baguettes. Et comme par hasard, il va nous donner une baguette je me souviens plus exactement. Voilà. En bois de houx et en plume de phénix. Et attention, badaboum. Voilà. On a notre baguette magique. C'est celle qu'il vous faut, Harry Potter. Et on a les sœurs Flipendo et Vermilius Uno. On va voir après les sorts comment ça se déroule dans ce jeu. Voilà, tu reçois baguette de Harry. Oui, en même temps, si je recevais baguette de Hagrid, ce serait un petit peu con, sachant qu'il n'en a pas. Voici une baguette, l'équipement indispensable. Essaye de lancer ton premier sort et tu apprendras beaucoup d'autres plus tard. On va voir ça directement en combat. On va sortir. Donc à partir de ce moment-là... Alors, attendez. Lui, il va nous donner nos cartes, normalement. Et c'est toi, Potter, Harry... Est-ce que tu as enfin un Poudlard? Je sais plus c'est qui lui. Je sais plus comment il s'appelle. Il nous a pas dit son nom, mais je crois bien que c'est Justin Fletcher ou un truc. Je sais plus. Un truc dans le genre, de toute façon, il est gentil. Collectionner ta carte, tiens, voilà. Donc on choisit une collection de cartes. Alors, c'est à bien choisir. Quand vous connaissez bien le jeu, au final, il faut bien choisir sa collection. Moi, je me souviens plus la celle qu'il fallait bien. Mais il y en a certaines qui sont mieux. Voilà. Rassure Folio Magie, c'est pour mettre les cartes. Folio Triplicus. Ça doit être pour mettre les combinaisons de cartes. On va voir plus tard à quoi ça sert. Combinaison de cartes. Voilà. Deuxième combinaison. Il m'en donne deux. Il me donne des cartes sorciers, sorcières célèbres. En fait, avec les. Je vais vous le dire maintenant. Avec les cartes, vous allez pouvoir faire des sortes de sorts pendant les combats. Comme c'est des combats au tour par tour. Vous pouvez faire des sortes de petites combinaisons et faire des effets spéciaux. Voilà. Alors regardez. Statut équipement, je peux avoir un équipement, un chapeau, une robe qui me donne différentes. Voilà. Là aussi, voilà, on peut brûler des cartes. Alors j'ai. Ça fait une sorte d'effet comme ça, voilà. Les cartes ont donné un parapluie. C'est bizarre, ça doit être juste pour tester, je pense. Donc là, je viens de mourir parce que j'avais qu'un PV. Et je me suis battu contre des gens moi-même, je sais pas comment. J'avais même jamais vu ça sur Game Boy pour vous dire. Donc c'était pour vous montrer. Alors tu vas vivre ta première rencontre, utilise sort pour jeter un sort, faire de la magie, carte pour faire des effets. Et fais attention, donc on a des points de résistance, donc des points de vie tout simplement, les PR. Et les PM, c'est les points de magie qui nous permettent de lancer des sorts. Pour l'instant, on n'a aucun point de magie et on n'a qu'un point de vie. C'est-à-dire que si on prend un seul coup, on meurt. On va essayer de le tuer. Voilà. On a qu'un seul PV, de toute façon, on va pas aller loin. Expérience 2, Morny 5. Ou c'est le contraire. Oui, donc on reçoit des Morny. Les Morny, c'est de l'argent. Voilà, lui, il m'a mis des dégâts, c'est terminé. On reçoit de l'argent, on reçoit de l'XP, on a des niveaux à monter. Donc c'est vraiment style RPG, hein. Vous
j'ai l'impression, voilà, vous avez un équipement, des niveaux, des sorts, des... C'est vraiment un univers qui est très bien pensé et auquel j'ai vraiment joué beaucoup. Je suis entièrement guéri, voilà. J'avais oublié cette petite dame à chaque fois qu'on veut se soigner. Voilà, c'est comme un centre Pokémon, vous y allez, elle vous donne une potion et vous êtes guéri. Voilà. Tout ça pour dire que on s'est baladé. On va aller directement voir Hagrid. Aïe. Il y a Crélin, il s'est étranger, mais il n'a pas du gain, renoncer à obéir. Ça, c'est ce qui a marqué devant Gringotts. On le voit dans le livre, on le voit dans le film, je sais plus. Je sais qu'on le voit dans le livre, ce passage. C'est l'écriture, là. Le slogan de Gringotts, la banque. Alors voilà, hop, il y a des objets cachés un peu partout. C'est-à-dire que vous allez vendre des trucs, vous appuyez sur A, vous avez des objets. Ils sont cachés, des potions. Là, c'est des potions de vie, par exemple, la Wingelweld, je sais pas comment ça se dit. Alors, on va aller au coffre-fort de Harry. Là, voilà, ça va veiller me suivre. Je vais vous laisser quelques minutes de gameplay, là on va s'insinuer dans les labyrinthes et on va essayer de trouver justement le coffre-fort. Je crois pas qu'on va y arriver parce que je sais qu'il y a une sorte de gros boss qui est très chiant à tuer juste avant le coffre en fait. Donc là on va croiser des petits ennemis, on va se les faire et je vous laisse un petit peu l'ambiance du jeu pendant quelques minutes, genre 3-4 minutes. On se retrouve dans 3-4 minutes donc. Thank you.
Et nous revoici dans le jeu, on a rechargé un peu notre santé. Donc voilà, on est à 51 sur 51. Et on, en fait, le plus longue partie, ça va être de faire des combats sur ce jeu. Vous allez en faire un paquet. Hein. Moi, c'est ce que je faisais souvent en boucle toute la journée, toutes les après-midi. Je faisais des combats, combats sur combats pour évoluer, pour passer, enfin, pour évoluer, pour passer des niveaux, être plus fort. Il y a des moments où vous êtes obligé de faire ça. Toute l'après-midi, vous êtes obligé. Donc ça peut devenir barbant, c'est sûr, mais disons quand j'étais petit, j'aimais bien. Voilà. Hop, encore un ennemi. On va finir sur ça. Donc voilà, petit flipendo. Alors les sorts, voilà, ils évoluent aussi au niveau. Hein. C'est plus vous allez continuer, plus ça va évoluer. Je sais que pour quand on doit battre Quirrell à la fin, il faut un très très bon niveau parce qu'il fait très très mal. Et c'est pour ça que je m'entraînais toute l'après-midi et j'essayais de choper des sorts qui faisaient très mal. On en a des pas mal. Par la suite, on en a un petit peu. Ils sont un peu nombreux, d'ailleurs. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Harry Potter à l'école des sorciers sur Game Boy Color. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.